les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, comme vous le savez, c'est une guidance qui est générale. Donc, soit vous prenez toute la guidance entièrement, soit par petit message, ou bien si rien ne vous parle, si rien ne vous correspond, vous zappez tout simplement la vidéo, les amis, il n'y a pas de souci. D'accord? Arrête. Ah mais mets-toi là-bas parce que là tu vas être shooté là-bas mon cœur. Et voilà, donc j'espère que vous allez vraiment, vraiment toutes et tous bien. Je voudrais vraiment, vraiment faire un très, très grand merci du plus profond de mon cœur, de mon âme à Frédéric Courtillat. Alors tu m'excuses parce que moi dès qu'il y a un T, il faut que je le prononce. ou quand il y a un S, hein, Patricia, un petit coucou à toi aussi avec... C'est chaud. Donc, vous m'excusez si je prononce mal, mais c'est dit avec le cœur. Donc, c'est ce qui est le principal, qui est le principal. Vraiment, un grand merci à toi, Frédéric Courtillat, pour ce que tu as donné pour mes enfants. Franchement, merci, merci, merci. Vraiment, moi, dès que ça touche mes enfants, vraiment un grand merci à toi et que le monde céleste te donne une double triple de ce que tu leur as donné. Franchement, tout ça avec fait avec du cœur et ça se ressent. Merci à toi. Je te fais des gros bisous d'amour. Merci. Allez, les amis, on va tout simplement aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre en ce moment même. Pour ceux et celles, soit que c'est bloqué, soit vous êtes en manque de communication, soit vous vous regardez de loin, mais il n'y a que ça. Soit vous avez encore des doutes, des questionnements, etc. D'accord, on va tout simplement aller demander au guide. Donc, c'est l'oracle psychique, hein, le tarot psychique. D'accord. Ça fait un moment que je n'avais pas pris, en plus, celui-ci. Et il m'appelle. Hein. Par contre, je vais vraiment, les amis, essayer de faire au plus court, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, dont du repassage, que je ne ferai sûrement pas ce soir. Mais alors... voilà, hein, vous savez, hein, j'ai un métier à temps complet, donc c'est il faut que je gère. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, pouvez-vous nous dire quel est l'état d'esprit de leur futur autre actuellement? Et pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, merci. Allez, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous des messages clairs et précis pour toutes ces personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Parlera, leur correspondra, leur appellera. Les appellera. Merci. Oh là là, bah ça commence, franchement, ça commence, c'est du lourd. Il vous voit comme votre nouvel amour. Il ou elle vous voit comme son nouvel amour. Il se projette. Hein, franchement, regardez cette carte de toute beauté. Hein, on peut pas dire autrement. Excusez-moi, les amis. S'il vous plaît, vous bougez pas de voir comme ça. Mets-toi sur mon nana. Viens, viens, mon bébé. Parce que sinon, je... T'as envie de faire pipi? T'as envie de faire pipi? Non, mais c'est plus... Non, mais pas beaucoup. Alors, va déjà la faire pipi un petit peu. Tu veux? Non, c'est pas grave. Voilà, lève-toi, c'est pas grave. Y'a pas mort toi. Allez, toi en premier. Allez, va mon bébé. D'accord? Tu fais vite pipi, tu reviens. Et je t'installe correctement au doudou. Excusez-moi, les amis. Il est fatigué, mon titi d'amour. Il est fatigué. Il faut que je coupe les cheveux. Il a les cheveux en pétard. C'est moi qui coupe les cheveux à mes gosses. Eh oui, je suis multifonction. Alors, oui, je vous disais, donc en fait, la personne à laquelle vous pensez actuellement, à laquelle il y a peut-être même voire des sentiments, on vous dit que cette personne-là, psychologiquement parlant, elle pense à vous, mais comme un nouvel amour. Elle vous voit, elle se projette déjà avec vous en tant que son nouvel amour, d'accord? Il y aura beaucoup d'émotions, hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Il ou elle a compris que vous êtes son double. Vraiment magnifique, magnifique. Vous allez avancer main dans la main. Voilà les messages en canalisation. Et ici, regardez, nous avons aussi la carte 7 et qui nous parle du chakra coronal. Alors, attention peut-être, les amis. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je le répète, c'est général. Mais là, j'entends, là, maintenant, de suite, avec le chakra coronal, pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire des méditations, des soins énergétiques,
des soins chamaniques, etc., etc., yoga, reiki, tout ce que vous voulez. En tous les cas, qui travaillent quand même assez leur chakra coronal et qui arrivent à vivre en conscience. On vous dit, il y a peut-être des choses qui vont vous passer par la tête et que c'est eux qui vont vous y mettre en conscience pour vous aider aussi à avancer. Alors, si ce n'est pas vous, c'est en tous les cas, c'est votre autre, hein, d'accord ? Les énergies sont interchangeables, ne l'oublions pas. Et du coup, bien sûr, ce n'est pas vous, hein, c'est peut-être aussi la personne qui est en face ou vice-versa, ou les deux. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour, tu vas aller mettre mon main dans mon cœur. Tu veux que je te mette bien? Mais c'est pas grave, on va nettoyer après le kiki, d'accord? Il n'y a pas mort d'homme. Est-ce que tu veux que je... Avant que je commence vite, est-ce que tu veux que je te mette correctement dans mon nana? Oui, mais après ça, le pipi... Ça mais non, t'inquiète pas, il est le jogging, il l'a aspiré là. On va te nettoyer après, tout t'inquiète pas, moi je vais te faire toute ta toilette. Est-ce que tu veux ou pas? Moi ça ne me dérange pas, tu vas à ma place. Excusez-moi les amis. Allez, viens mon bébé. Viens, là. Non, mais c'est de côté. Allez. Allez, c'est bien. Allez. T'es content? Mmh. Allez, va vite. Va vite, mon bébé. Oh, non, elle t'aime, mon chéri. Oh, je te boufferai tout cru. Allez, excusez-moi. Excusez-moi, les amis. Et donc, ici, regardez, nous avons à nouveau le 1, le renouveau. Le... Excusez-moi, j'ai reçu un message. Bon, je le verrai après. Puis je suis curieuse en plus. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui est... Il y a la passion enflammée. Hein. Il y a une passion enflammée. Il a ou elle a la passion enflammée pour vous. Mais ce que j'entends là maintenant de suite, c'est que vous qui me regardez aussi et à qui ça parlera, j'entends bien, c'est de même. Vous n'arrivez plus à vous contrôler. Il y a des pensées un peu érotiques. Hein. Il n'y a pas de honte. Hein. Ça fait partie de la vie, les amis. Mais pas que. Hein. Il y a une attirance de corps à corps, il y a une attirance au niveau du regard, je sais pas comment expliquer, il y a quelque chose, hein. Vous sentez que vous avez le feu pour cette personne et cette personne a le feu pour vous aussi, hein. Donc voilà, hein, franchement, il y a vraiment une passion enflammée et elle sera vraie, hein, ce ne sera pas quelque chose qui sera éphémère, hein, on me dit là maintenant de suite, d'accord? On me dit là aussi, les amis, les guides vous disent, il y a un moment donné aussi, il faut que vous vous posiez la question, êtes-vous prêt ou prête aussi à accepter ce nouveau amour, ce nouvel amour et ce nouveau parcours aussi finalement. C'est un nouveau parcours de vie. Hein. Il faut que vous vous posiez vraiment ces questions-là parce que il y a quand même du chamboulement qui va arriver à vous. Hein. Pas pour toutes, j'entends bien. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour. Alors ici, nous avons, ouais, choisir avec sagesse. Ouais, vous allez devoir faire un choix, les amis. Alors, soit vous, ou soit la personne d'en face, en tous les cas, l'un des deux, il y a un choix à faire. Hein. Là, il va y avoir faire un choix au niveau d'un amour. Hein. Alors, les amis, c'est soit vous êtes actuellement en couple vous-même, même s'il n'y a plus rien, vous êtes encore en couple, hein, pour X raisons. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? En fait, à la cantine, ça fait beaucoup, 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 beaucoup mal au ventre. Oh, mon. Et là, ça a encore beaucoup, beaucoup mal. Oh, mon bébé, oh, non, me redis pas que tu me refais une gastro. Allez, va là-bas et puis j'arrive après, d'accord, mon bébé? Puis mange plus tes crottes de nez, s'il te plaît, Doudou. Ah, c'est pas ses crottes de nez, mais vous savez, il aime bien le truc salé, là. Oui, mon amour, déjà. Eh ben, tu sais quoi? Je vais te faire plaisir là maintenant, de suite, mon chéri d'amour. Tu sais où tu dors ce soir? Avec Mamoun. Oui. Ouais, y est pas. Allez, va là-bas. Oui, oui. Ouais. Allez, promis, mon amour. Y est pas. Allez, tu me laisses finir, mon amour. Ouais, bon. Donc là, excusez-moi, les amis. Là, on vous dit qu'il y a bien un choix à faire au niveau d'un amour. Alors, soit un choix quelconque ou un choix. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Regardez, nous avons tiré 4 cartes. Et les 2 cartes, c'est le 1. Je crois qu'il faut manger. Ah bah, va vite manger, mon cœur. Il n'y a pas de souci. Je te fais la toilette après. Regardez, là, il y a le 1 et le 1. Voilà, un début de passion, un renouveau de passion, un début, un commencement de passion avec quelqu'un, avec un nouvel amour, un début d'amour, un commencement avec un nouvel amour, pardon, je vais y arriver. Et regardez les deux autres cartes, choisir avec sagesse, donc il y a un choix à faire, il y a plusieurs choix et vous allez devoir faire un choix.
Et regardez, et l'autre avec le chakra coronal, un autre 7. Vous voyez, c'est fou, hein. On a le chiffre 11 et le chiffre 77. Ça parlera peut-être à des personnes. On me parle aussi, pas le 11, mais parce que le 11, c'est des messages des anges, hein, il faut se le dire. Mais le 77, on me parle là maintenant de suite d'une année de naissance ou tout ce qui rapporte le chiffre 77 à laquelle ça vous parle. Vous savez, à l'instant T, ça vous parle. D'accord ? Ici, on vous parle aussi du chakra du troisième œil, carte 6. Chakra de troisième œil sous le coronal. Je pense que là, les amis, et franchement, c'est très très bien. Parmi vous qui me regardez, qui me suivez, vous êtes peut-être des personnes à laquelle vous avez compris qu'il fallait de faire de plus en plus de méditation et que vous avez réussi à travailler votre chakra coronal ainsi que votre chakra du troisième œil. Le chakra troisième œil, il faut savoir que ça fait partie de l'intuition. Plus vous allez le travailler et plus votre intuition sera bonne, plus vous allez comprendre les choses, plus vous allez voir les choses de ce qui se passe entre les personnes qu'il y a autour de vous, d'accord ? Que ce soit professionnellement, amicalement, familialement, tout ce que vous voulez. Dans l'amour, s'il vous plaît. D'accord, les amis ? Alors, bien sûr, hein, vous allez devoir faire un choix au niveau de cette nouvelle amour, hein, à laquelle il y a une forte passion enflammée, mais si ça ne vous parle pas là, maintenant, de suite, c'est peut-être l'autre personne qui est en face à laquelle vous pensez, hein, qu'il est prêt, qu'elle est prête, et de se dire, là, zut, il faut que j'arrête, hein, il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix, je ne peux plus rester dans ces conditions-là, à me tourmenter, à penser, à réfléchir de comment faire, comment faire, comment faire. C'est ce qu'on me dit là maintenant de suite, hein. D'accord. Ici, on vous parle, oui, il y a une carte 6 encore. Non, mais c'est une dinguerie. On n'a que des chiffres miroirs. Hein. On a le 11, le 77 et le 66. On me dit d'aller voir le 66 maintenant de suite. On vous dit souvenir d'amour. Alors, il y a peut-être des personnes, écoutez-moi bien les amis. Hein. Il y a peut-être des personnes, effectivement, souvenir d'amour, c'est-à-dire que c'est peut-être un ex à laquelle vous avez toujours gardé des liens ancrés, des liens sacrés, et que vous avez toujours gardé des contacts, ok? C'est possible, mais que dans cette vie-ci, présentement, vous ne vous connaissez pas plus que ça. C'est simplement que votre âme à son âme vont se retrouver, se reconnecter dans cette vie ici. C'était votre destin, d'accord? Et c'est, on me dit... à l'instant T, à partir d'aujourd'hui, pour ceux à qui ça parlera, maman, cette guidance. Il y a deux six, mon amour, ouais. On vous dit. Ouais, mais Doudou, voyez, tu m'as coupé avec les guides, Doudou. Pas tout. Attends, c'est pas grave, mon amour. Assieds-toi correctement, parce que tu vas tomber. Allez-y, mes guides, s'il vous plaît. J'arrive pas à retrouver le filon. Je suis désolée, les amis. Non. Ah, bah, de toute façon, quand ça part, ça part. Hein. Là, bon, bah, ça reviendra peut-être. C'est pas grave. Il n'y a pas mort de mon bébé. T'inquiète pas. Non, là, j'ai pis. Faut que je me reconcentre. Ouais, on va sauter. Ici, on vous dit, vous avez une force spirituelle. Ah oui, d'accord, merci. Ah, bah, non, mais. Ils me disent d'aller voir le chiffre 66. Merci. Oh, dis donc, hein. Moi, je perds vite le filon. Hein. Il n'y a pas mort d'homme, les amis. Il n'y a que la vie, il n'y a que l'amour. Oui, toujours l'amour. Amour. Iris. Nanananana. Amour. Mais à chaque fois, je mélange avec Stark et Hodge. Je ne sais pas pourquoi ça me vient tout le temps comme ça. Allez, le chiffre 66, les amis. Alors... Lorsque vous êtes accablé par les inquiétudes, le stress ou la peur, il est plus difficile d'entendre l'aide attentionnée. Alors, excusez-moi, ça a coupé, les amis. Alors, attendez. Arrête, ma douce. Arrête. Va te mettre la basque. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Excusez-moi. Il va tout me les faire. Excusez. Hop. Voilà. Allez, je me speed. Il a levé le... Vous savez, le... Comment ça s'appelle? Le petit tapis, puis il s'est cassé la goule. Là. Bon, voilà, je pense que c'est bon. Là. Bon, je reprends. Le chiffre 66. Les aléas de la vie.
Allez, lorsque vous êtes accablé par les inquiétudes, le stress ou la peur, il est plus difficile d'entendre l'aide attentionnée de votre ange. Il s'agit d'un message vous disant de passer du temps en prière ou en méditation. Voyez, je venais de vous le dire, il y a des personnes, on vous dit c'est très bien, vous avez fait de la méditation ou bien on vous conseille au jour d'aujourd'hui la méditation au niveau chakra coronal et du troisième œil qui est l'intuition. Cela va pouvoir vous aider à décanter votre situation ou la personne à laquelle qui est bloquée en face de vous. Viens là, Matou. Demandez une intervention spirituelle et ouvrez vos bras pour recevoir l'aide qui suit. Toujours la prière, bien parmi des vêtements. D'accord, les amis? Et là, comme par hasard, force spirituelle. Hein, donc, arrête de pleurer, maman. Allez. Allez, maman, s'il te plaît. Reste avec maman, si tu veux. D'accord? Là, on vous dit qu'il y a vraiment une force spirituelle. Vous avez la force, vous avez la capacité à passer par, entre guillemets, ces épreuves. D'accord? C'est important de le savoir, c'est important de le dire. Ça va, mon bébé? Maman va couper les cheveux aussi, hein, parce que disons que ça pousse. Excusez. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages clairs et précis, s'il vous plaît? Oui, regardez. Il est prisonnier de la peur, votre autre. Il est prisonnier de la peur. Alors, ça peut pas peut-être que lui, hein, il y a peut-être vous aussi. Hein, vous êtes prisonnier de la peur. Vous voulez ce nouvel amour, vous voulez ce recommencement. Vous sentez qu'il y a une passion enflammée entre vous, les amis. Hein, mais... la peur vous gagne, la peur vous dirige. C'est triste. C'est pour ça, hein. Là, à un moment donné, il sent ou elle sent qu'il faut faire un choix, là. Il va falloir prendre un chemin et faire un choix. Allez, s'il vous plaît. Mais regardez, oui, ce qu'ils me disent. Regardez, n'oubliez pas, les amis. Certes, là, pour l'instant, vous êtes la peur, mais regardez au fond. Il y a quand même une forme de lumière. Donc, vous allez réussir à aller vers la lumière et reprendre cette force que vous avez au fond de vous. D'accord? Ici, nous avons la carte 4. Nous avons les fondations et la réalisation. Moi, pour moi, cela veut dire, ici, avec la maison... pas d'inquiétude, vous allez réussir à construire, à reconstruire avec cette nouvelle personne amoureuse. C'est du vrai, ce n'est pas qu'un fleur, ce n'est pas que passager. C'est une relation qui va durer dans le temps. Vous êtes son autre, vous êtes sa jumelle, il est votre jumeau, vice-versa. Il est fort possible que vous allez prendre la décision pour certains et certaines personnes, j'entends bien, à faire construire ou un achat de maison, mais ensemble, je répète ensemble, on me dit là maintenant de suite, et aussi pour certaines personnes, j'entends bien, avoir pourquoi pas un autre enfant. Il y aura, j'entends même, pour certaines personnes, des engagements. Hein. Des engagements comme, bon, bah, une maison, c'est un engagement aussi pour moi en soi, mais des engagements comme fiançailles, pacsées et mariage. Hein. Oui, aussi. Hein. En engagement, c'est aussi les enfants, hein, moi, je trouve. Hein. Oui, et regardez encore le chiffre 1. Le chiffre, alors on me dit d'aller regarder le chiffre 111. Oh là là là. L'éveil, regardez. Moi, pour moi, votre autre, là, actuellement, c'est pas vous, là. Moi, ce que j'entends, votre autre, il est de plus en plus en éveil, d'accord? Il est de plus en plus en éveil. Et il y a beaucoup de choses qui comprend mieux, hein? Les choses qui arrivent ou les choses à laquelle il pense, en l'occurrence vous, quand il pense à vous, c'est toujours avec une passion enflammée. Il rêve de vous, on me dit là maintenant de suite. Pourquoi? Il comprend mieux les choses parce que l'univers est derrière, l'univers le pousse et aussi grâce à cela, ça lui permet de ouvrir un début d'éveil qui n'est pas donné à tout le monde. Allez. 111, on met maintenant. Le chiffre 111, les amis. Décidément. Allez, chiffre 111. Ce nombre vous transmet un urgent message vous disant que vos pensées se réalisent instantanément. Donc, gardez votre approche tournée vers vos désirs. Cédez toutes vos pensées craintives au ciel pour une transmutation. Ça veut dire, les amis, toutes les pensées que vous avez au jour d'aujourd'hui jusqu'à
plus tard. Faites bien attention parce que tout va se mettre en place, tout va se réaliser. Donc, n'allez pas broyer du noir ou n'allez pas voir des choses pas très glorieux au niveau de vous, de votre vie personnelle ou de cette personne, par colère, par ego, etc., etc., etc. On vous dit ici, vous êtes bien fait pour aller l'un avec l'autre, hein. Ça correspond vraiment à un début d'un nouvel amour. Certes, il y aura des choix à faire quand même, un ou plusieurs choix en l'occurrence. Bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il est prisonnier de sa peur, mais toujours avec une passion enflammée pour vous, les amis, hein. Dans le futur, il y aura bien une réalisation de votre début de couple avec construction ou achat de maison et autres, d'accord. Allez, s'il vous plaît, l'équipe d'amour. Oh, ça saute. Oh, ben alors, celle-là, j'avais mis le feu un jour. Voilà, ici nous avons la carte 8. On vous parle d'un mouvement positif vers l'avant. Donc, c'est positif, les amis. Hein. Même si on me dit là maintenant de suite, même si vous avez la sensation, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous n'avancez pas, qu'il n'avance pas, qu'elle n'avance pas, que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à aller vers cette personne ou qu'il vienne vers vous, à vous décontracter, on me parle même, à être moins crispé, on me dit. On vous dit, pas d'inquiétude, le mouvement reste quand même positif. Pourquoi ? On vient de vous le dire, rien que des fois par les pensées, par les désirs qu'on voudrait mettre en place, sachant que vous êtes connecté télépathie par télépathie, je sais que c'est bizarre à comprendre, mais c'est pourtant vrai, les amis, et bien même si en mode physique vous ne communiquez pas, au moins vous communiquez, mais par la pensée, par la télépathie. Et comme c'est comme ceci que votre cœur et son cœur, son âme et votre âme arrivent à communiquer. Et quelque part, comme votre âme, forcément, elle fait partie de votre cœur et qui est dans votre corps, eh bien, c'est ça qui vous rassure un si soit peu. Je ne sais plus si c'est ça. Oui, hein, vous me dites. Un si soit peu, ça vous rassure. Ainsi soit peu, ça vous met un côté mental dans le doute, mais d'un autre côté, il y a votre cœur qui vous dit, tu ne te trompes pas, ton intuition est bonne, je te le confirme, d'accord? Et c'est grâce à la connexion que vous avez entre vous, parce que vous avez un lien sacré, d'accord? Et que vous communiquez déjà beaucoup pendant la nuit que vous dormez. Love me tender. Non, mais alors, les A, alors, 1, 1, 1 et 1. Alors, maintenant, c'est plus 111, c'est 1111. Hein. Et là, on vous dit, pas d'inquiétude, il y a le succès triomphal. Vous allez vers un succès. Vous allez vers une réussite. Et regardez, qu'est-ce que je vous avais dit. Il y a un changement, carte 5, changement financier et matériel, mais pas que. On voit bien la main. Donc, un engagement au niveau mariage, pacsé, fiançailles. Et regardez derrière, partenariat et alliance. Non, mais tout veut dire. Hein. Et voilà, et on vous redit mouvement, choix, décision, réjouissance et fête. Non, mais alors là, vous avez un tirage. Regardez, triomphe carrément. Vous allez aller de l'avant et regardez. Vous allez retrouver une forme d'équilibre, de stabilité pour aller vers un nouveau commencement avec la carte zéro qui nous signifie le fou quand même, il faut se le dire. D'accord? Mais avant tout cela, certes, au jour d'aujourd'hui, vous êtes quand même dans un conflit mental. D'accord les amis? Voilà, j'espère que cela a pu aider certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, les amis. N'hésitez pas à liker, partager et pourquoi pas laisser un porte-commentaire si le cœur t'en dit. Allez, on va aller voir une carte de thérapeute auto-guérison, voir ce qu'on nous annonce. Je les adore aussi, celles-ci. Elles sont pas mal. On va aller voir. D'accord, les amis? Allez, mes guides d'amour, y a-t-il un message clair et précis pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera?
de savoir quel est l'état mental, psychique de leur autre actuellement. Allez, s'il vous plaît, avez-vous des messages, mes guides? D'amour! J'avais envie. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Oh, non, déjà. Oh non, trois, non, c'est trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, mais c'est trop. Allez, s'il vous plaît. Il faut que je regarde l'heure. Il est... Oh, déjà. Oh là là, que ça passe vite. Entre mes journées de travail, je rentre, les tickets, vous, mes cartes, mes bébés, mes issues, la manger, la vaisselle. Au moins, respecte un cas. Mais non, j'adore ce que je fais, donc tout va bien. À partir du moment où on met l'amour dedans, et eh bien tout va bien. Dans tout ce qu'on fait, on met l'amour, pas de soucis, tout fonctionne. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes à laquelle... Alors, ici, alors, on vous parle de carte 12, victimation. Victimation. Alors, ce que j'entends ici, là, maintenant, de suite, avec cette carte-là, les amis, attention à vous. Vous avez peut-être tendance à trop vous victimiser. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas été victime, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, parce que moi-même, j'ai déjà été. Mais il est vrai que même pour moi, parfois, j'ai tendance à oublier, à pas pouvoir oublier certains points de la situation à laquelle qui m'a vraiment fait mal. Et au contraire, on devrait justement guérir cela, à travailler pour aller de l'avant. Et là, en l'occurrence, c'est ça, les amis. Hein? On vous dit ici, essayez de plus vous voir comme une victime et plutôt de voir autrement que vous êtes une guerrière. Vous êtes des battantes, d'accord? Vraiment. Pour que les énergies changent, se régénèrent, d'accord? Vraiment, hein? Et que maintenant, vous n'êtes pas des énergies mi-positives, mi-négatives ou que négatives, vraiment des énergies que de positivité. Il est temps, là. On balaye son passé, on balaye tout ce qui nous est arrivé. Ben oui, parce que regardez, carte 2, auto-sabotage. Hein? Alors, il y a des personnes, on vous le dit là, hein, vous vous êtes vous-même auto-saboté. Alors, si ça ne vous concerne pas, c'est votre autre aussi. Il s'est lui-même auto-saboté. Hein? D'accord? Alors, quand je dis lui, les amis, vous m'excusez. Hein? Moi, c'est tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne, que ce soit les homos, les bi, les hétéros, les trans. Tout. Moi, je fais des gros bisous à tout le monde. Les petites mamies, les petits papis, les petites mamans, les célibataires, les messieurs, en couple célibataire, en carré amoureux, triangulaire, etc., etc., etc. Je m'en fous, j'aime tout le monde. Venez à moi. Et donc, les amis... il faut savoir que là, donc c'est soit vous ou votre autre en l'occurrence, hein, parce que les énergies sont interchangeables, il est fort possible que même lui ou elle, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une notion comme quoi, à cause de sa peur, la peur qu'il a eue de cette passion enflammée pour vous, on l'a vu là tout à l'heure, il s'est mis des barrières, il s'est mis des doutes, il s'est mis des... Hein, voyez, je vous rappelle, hein, la passion enflammée, il s'est mis des doutes lui-même, il s'est mis des barrières lui-même, et du coup, bah, ça s'appelle du auto-sabotage. Alors, pour moi, j'entends ici, là, qu'au jour d'aujourd'hui, par contre, il commence à regretter. Parce qu'il y a peut-être des personnes à laquelle vous me regardez, là, les amis, on me dit, il y en a certaines, vous avez pris du recul, vous avez pris de la distance. Vous faites un peu l'ignorante. Il y a quelque chose qui fait que vous en avez eu marre aussi, hein, d'être toujours aux aguets de tout. Ouais. Ici, bah oui, carte 5, tristesse. Ouais. Moi, je sens que votre autre, là, il y a une forme de tristesse. Hein. Il est triste parce qu'il s'est auto-saboté lui-même.
Et peut-être aussi à cause d'une victimation, mais qu'il y a eu au plus tard, ou de vous-même, par contre, la victimation, on me dit. Mais en tous les cas, cette personne est triste, mais vous-même aussi, vous êtes triste. Hein. C'est effet miroir, là. Vous êtes triste parce que lui, vous sentez bien qu'il aimerait revenir, mais vous, vous avez la féminine à un côté égo, un peu surdimensionné. Hein, excusez-moi de vous le dire, mais parfois, ça arrive. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire outre cela. Et du coup, vous êtes piégé dans... Vous êtes auto-saboté, mutuellement aussi, il y en a certains. Allez, y a-t-il d'autres messages ou pas, s'il vous plaît, mes guides? Comment ça va se terminer, ça? Pouvez-vous nous donner des messages clairs et précis de savoir comment... Merci, mes guides. Eh oui, voilà, tout simplement. Merci, mes guides. S'ouvrir au changement, carte 9. S'ouvrir au changement. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à cette passion enflammée, les amis. Et ouvrez-vous, qu'est-ce qu'on vous a dit, à ce nouvel amour. Vous le savez au plus profond de votre cœur, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, cette guidance. Hein. Certes, elle est générale, mais là, il y a des personnes, ça vous parlera. D'accord. Il faut que vous vous ouvriez à cet nouvel amour, à cette nouvelle personne. Et à un moment donné, il faut mettre son ego de côté. Et il faut y aller. Il faut y aller, les amis, parce que là, vous vous faites du mal. Un coup, c'est l'autre qui a peur. Et puis, quand l'autre, il est prêt, ben, c'est vous qui avez peur. Vice-versa. Vous allez jouer au chat et la souris, je ne sais combien de temps, là. D'accord? Ici, on me dit, oui, ayez un peu de courage. Ayez un peu de courage. À un moment donné, on ne va pas vous faire un deuxième T-R-O-U. Oh, Hugues. D'accord? Non, mais c'est vrai, les amis, à un moment donné, allez, on y va. Là, on vous annonce que de la beauté, 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 un nouvel amour, un vrai amour, de la passion, il y aura une achat de maison, reconstruction familiale, enfin, je veux dire, en gros, ce serait un flirt, ce serait que passager, ok, des doutes, si c'est là, de la peur et tout, mais là, non, en l'occurrence, là, c'est du vrai, vous avez un lien sacré, c'est votre destinée, il est votre destinée, vous êtes sa destinée. D'accord. Et en plus de ça, on est en train de vous dire que votre hôte, il est en train de s'éveiller. Il est en train de comprendre les choses et le lien qu'il y a entre vous et lui. Ici, on vous dit, carte 34, impuissance, ben oui. Hein, il y a de la tristesse parce que vous avez en quelque sorte de l'impuissance. C'est-à-dire vous êtes impuissant à quelque chose aussi, là. Peut-être aussi vous êtes manipulé par votre contrôle mental. Hein. J'y vais. Vous voyez, vraiment, mais on vous dit un peu de courage parce qu'il faut s'ouvrir au changement. Allez, on va aller voir, il est 31. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages clairs et précis à savoir si leur futur autre, qu'y a-t-il dans ses pensées, son psychique? S'il vous plaît. Je me gratte. Oh mon Dieu, merdouille! Merdouille! Oh, dégueulasse. Oh là là, il est froid. Allez, vite, il faut que je me dépêche, il est déjà 32. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages ou pas? Sinon, on arrête, hein. Non, il n'y en a plus. Voilà, les amis, il n'y en a plus. Hein. Faut pas trop insister. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient chercher les cartes. Vraiment, quand on me le dit, mais là, non. Voilà, les amis, donc j'espère que cela aura pu vous aider au mieux. On va aller vite prendre quand même une petite pancarte. On me dit là maintenant de suite. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la concordance avec... Hop, elle va oublier pour des petites pancartes. Je vais me retrouver à combien là. Alors, on vous dit, je regarde. Hein. Oula, ouais. Alors, on vous dit ici, il y a du meilleur à venir. Il y a du meilleur à venir. De toute façon, après l'ombre, hein, on sait tout, c'est la lumière. Ici, on vous parle, il y a peut-être aussi un schéma de séparation. Donc, c'est soit vous-même, vous êtes en procédure de séparation ou lui-même est en procédure de séparation ou on vous conseille ou vous allez comprendre qu'il faut que vous fassiez les démarches pour vous séparer parce que ça ne sert à rien, c'est voué à l'échec. Vous avez constamment cette personne dans la tête et cette personne, elle vous a constamment dans sa tête, c'est tout. On vous parle ici d'un contrat durée déterminée.
Oh, ça crie. Un contrat durée déterminée, on me parle ici, pour un poste à responsabilité. Alors, en l'occurrence, on me dit là maintenant de suite, c'est peut-être quelqu'un qui a un poste à responsabilité. La personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Et du coup, vous travaillez peut-être ensemble ou il va faire, vous faire rentrer dans sa boîte et en premier lieu, il va vous faire un CDD. Mais pas que, peut-être aussi un changement, allez-y, un changement de contrat, un avenant de contrat, comme on dit, oui, voilà, un avenant de contrat. On ne sait pas à qui ça parlera, mais je les écoute, hein, en soi, voilà. Allez, ici nous avons, oh, c'est rare qu'on a la lettre L. Donc, le lettre L, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre K, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons, pardon, la lettre R, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre N, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Ici, nous avons tout simplement le chiffre 4. Tout simplement le chiffre 4. On me parle d'ici de 4 jours à 4 semaines. De 4 jours à 4 semaines. 4 jours à 4 semaines. Bah, du meilleur à venir. Voilà. On me parle ici avec le poisson. Donc peut-être un signe astrologique poisson, ascendant ou lunaire. Tout simplement, vous aimez les poissons. Vous avez un petit poisson rouge actuellement. Vous êtes des jolis bons pêcheurs, on me dit là maintenant de suite. Ici, on me parle de papillon, petit papillon. Donc, il y a encore une transformation, une mutation actuellement. Ou bien, vous êtes des personnes qui adorez les papillons. Vous avez déjà peut-être un papillon au niveau de votre corps en tatouage. Ou bien, la personne d'en face adore aussi tout ce qui est papillon de différentes couleurs. On me dit là maintenant de suite. Et on me parle de l'étoile de mer. Là, c'est une étoile de mer. C'est quelqu'un, on me dit là maintenant de suite, qui aimerait aller à la mer, mais avec vous. C'est une personne qui a l'habitude d'aller à la mer. Alors, je ne vous dis pas à Babaloued, hein, il y a l'île de Ré, on me dit île de Ré, rond, je ne sais pas quoi. Voilà, moi, je pars très rarement en vacances, il faut le dire, il faut le savoir. J'ai trois enfants, hein, mais bon, c'est comme ça. On n'est pas malheureux, voilà. Allez, Aurore, donc voilà. Et il vous voit comme son étoile de mer. Il vous voit comme son étoile de mer. C'était-il pas beau, ça? C'était-il pas beau? Moi, j'adore. On adore. On adore. Allez, les amis, restez toujours dans la bienveillance, dans la sagesse, la paix, mais surtout l'amour de vous en premier lieu et l'amour pour autrui. Encore un grand, grand merci à toi, Frédéric Courtillat. Je sais plus si c'est comme ça. Des gros bisous à toi. Je vous donne une prochaine vidéo pour une prochaine guidance et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.